Allez, c'est parti pour le retour à la maison. 8 charges. Un peu plus de 2000 km. Je pense qu'on va faire ça en moins de 24 heures en une seule fois. Deuxième superchargeur au sud de Madrid, environ 35 minutes de charge et une seule autre Tesla en charge actuellement. Prochaine charge, Madrid. Alors, troisième arrêt, Madrid. Donc, on arrive à 10%. On doit charger au moins 50%, donc on va repartir vers 60. Et une seule voiture pour le moment au chargeur, et il est 22h. Alors, quatrième charge et dernière charge en Espagne, à Burgos. Arrivé comme prévu à 8%. On doit recharger jusqu'à être, je pense, à 90%, car le prochain arrêt est entre Bordeaux et Bayonne. Donc 50 minutes d'arrêt. Il est déjà 1h moins le quart du matin. Tout se passe bien. Nous sommes tout seuls au superchargeur. Rendez-vous en France à Bayonne. Voilà, après 1130 km environ, 13 heures de route, première recharge en France, la cinquième depuis le départ, un peu en dessous de Bordeaux, 245 kW, c'est parti pour 30 minutes. Et personne au chargeur. Allez, sixième charge à Niort. Arrivé à 10%. Ça fait 16 heures qu'on est parti. On commence à sentir un peu la fatigue. Ici, un chargeur V3 et personne. Il est 8h15 du matin. Septième recharge. Arrivé à 20%. Chargeur V3 provisoire, c'est pas mal. Qui marche bien. Normalement, encore une recharge avant d'arriver. Donc on recharge, on repart probablement chargé à 100 lits. Voilà, chargeur de 100 lits, 8e recharge de la journée, 1800 km, plus que 250 environ. Par contre ici, c'est plein. Il doit y avoir 16 stèles, il y en a 14. On se revoit à la maison, à tout à l'heure. Donc nous voilà arrivés. Donc bilan de notre périple entre Malaga et le nord de l'île. 2038 km si on décompte les 20 minutes à la frontière espagnole et la demi-heure de perdu à Paris, pile 25 heures en une seule traite, un seul conducteur, sachant que la voiture a quand même roulé toute seule plus de 90% du temps. Donc on peut faire de très longs trajets avec une Tesla sans aucun problème.